et l'occasion surtout de voir la position du ressort, de ce ressort par rapport à l'ergot quand ça a tourné et qu'on veut réparer. Et ben voilà, c'est bien ça, l'ergot est là et le trou du ressort est là, donc c'est pratiquement au pied de l'ergot, côté gauche, côté droit quand on le met en place. Alors, le but du jeu pour la réparation, c'est rendre cette pièce, le fameux ergot de positionnement dans le carter moteur, solidaire de l'axe de la noix de kick. Et le problème qu'on rencontre le plus souvent, c'est que la position du trou de fixation du ressort, comme ça a tourné, on ne sait plus où elle est. Et donc voilà la vraie position. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sauf que là on le voit mieux. Donc le trou est dans le prolongement pratiquement un poil décalé, mais légèrement sur le rebord droit du téton là. Vous voyez, celui-là n'a pas tourné, il est juste mort au niveau des dentures là. On vérifie avec un autre. J'ai déjà montré les photos de celui-là. On regarde, idem, le trou par rapport au téton, c'est au même endroit. Et idem que celui qui est monté en ce moment, comme vous l'avez vu.